Dans cette vidéo, je te montre comment avoir l'accent circonflexe et le tréma sur ton clavier d'ordinateur. On commence alors avec l'accent circonflexe. Il suffira donc de trouver cette touche sur votre clavier. Dès que vous l'avez, vous cliquez là-dessus une seule fois et là vous mettez la voyelle que vous voulez avec l'accent circonflexe. Si c'est un E, donc voilà, automatiquement vous avez un E avec l'accent circonflexe. Ou si c'est un U, vous refaites la même chose, vous appuyez sur cette touche là et puis vous enfoncez la touche U. Ainsi de suite, si c'est un O, vous enfoncez la touche et vous mettez le O. Automatiquement, vous aurez l'accent circonflexe. Allons maintenant au tréma. Pour avoir le tréma, vous cherchez la touche Maj sur votre clavier. Vous l'enfoncez, vous la gardez enfoncée. Vous cliquez sur cette touche-là. Et maintenant, vous pouvez tout relâcher. Et vous cliquez sur la voile qui va prendre le tréma. Donc là, on peut voir que mon I a pris son tréma. Si c'est un O, j'appuie sur la touche Maj. Je clique sur cette touche-là. Et je mets mon O avec l'accent tréma. Pour ceux qui ne maîtrisent pas vraiment le clavier de leur ordinateur, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai exactement comment afficher votre clavier sur l'écran de votre ordinateur. Comme ça, vous saurez exactement où se trouve telle lettre, tel chiffre et autres. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, je vous demanderai de mettre un like et de partager avec vos amis. Abonnez-vous si vous avez l'intention de mieux maîtriser votre ordinateur et votre smartphone. À la prochaine vidéo. Ciao.